Bonjour, dans ce 10e épisode, nous allons voir comment mettre à jour des données avec PDO. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle fonctionnalité dans notre site web. On a l'ajout de pays, la suppression, on a nos pays, et là on va rajouter une colonne avec l'accès donc à la possibilité de modifier le pays concerné. Alors après superficie, il faut rajouter une colonne. Donc on va aller dans le code de la page d'accueil, index. Ici on a la colonne superficie. Donc on rajoute une en-tête de colonne, voilà. Et ici, à cet endroit-là, donc entre la valeur de la superficie et la suppression, on va rajouter un autre formulaire. Voilà. Je vais copier-coller d'ici. Voilà. Hop, on rajoute un formulaire qui permet d'afficher modifier dans un bouton et qui permet donc d'appeler en poste un fichier qui s'appelle modifier-pays.php et en passant le code du pays. Donc je sauvegarde, on regarde ce que ça nous donne, on actualise, donc les boutons modifiés sont apparus et par exemple si on clique sur Angola, on fait modifier. Donc là, ça peut pas marcher parce que modifier n'existe pas, pays. Alors on va tout de suite aller créer, voilà, ce fichier. On va créer le fichier, voilà, il s'appelle modifier pays. Et dans modifier pays, on va mettre juste du code PHP pour voir ce que reçoit le script quand on fait du post. $_post, voilà. Virgule, on sauve. Donc là, on va actualiser. Et donc on voit, on a AGO parce qu'on a cliqué sur Angola. Si on clique par exemple sur Inde, India, on a bien IND. Donc on transmet bien le code en poste dans cette page-là qui va pouvoir faire la modification. Alors, avant d'aller plus loin, on va créer un nouveau pays, c'est l'Égypte. Et on va mettre des valeurs, voilà, des valeurs qu'il va nous falloir modifier avec notre formulaire. Donc on met un nom, une capitale, une population, 10, une superficie, 20, et on fait ajouter. Donc réussite de l'ajout de, donc un nom, bah c'est le nom du pays. Et donc on se retrouve avec l'Égypte, et donc il va falloir qu'on modifie ces 4 valeurs. Je fais sur modifier, j'ai bien EGY qui est affiché. Donc on a en base de données donc ce qu'il nous faut pour des informations qu'on va devoir modifier. Alors après, par rapport à la modification, finalement modifier ça ressemble fortement à ajouter, hein. Donc il va falloir ressaisir le nom, la capitale, etc. Donc on va, plutôt que de tout retaper, on va aller copier-coller des informations. Donc on va copier-coller ça depuis le script qui s'appelle ajouter pays. Là, je fais un CTRL A, copie, hop. Je prends tout le HTML, le code, et je le colle ici. Donc là je code tout le HTML. Donc là maintenant on va faire des petites adaptations quand même. Alors, c'est pas ajouter pays, c'est modifier un pays. Ensuite, modifier un pays. Ensuite, le formulaire, quand on fait de l'ajout, ça va dans donc un script qui s'appelle modifier pays résultat. Ajouter, donc on va mettre que c'est modifier pays résultat. Alors après, ici. Alors ici, on a pour l'histoire du code, quand on fait une modification, on ne veut pas que, quand on fait l'ajout, le code il doit être saisi. Quand on fait une modification, on va dire que non, le code, c'est quelque chose qu'on donne, ça permet d'identifier le pays, il ne faut jamais le changer. Donc on va dire qu'on ne veut pas le modifier, le code. C'est-à-dire quelque chose qu'on récupère en poste. Alors on va écrire par exemple $code égale $_post. De code, voilà. Donc là, quand on a fait ça, on a une variable $code qui contient le code du pays. Voilà. Alors ce code du pays, donc ici, il y a écrit code deux points et il va nous falloir écrire ce code. Donc on va juste faire $code. Voilà, on se contente de l'écrire. Et par contre, on va pas supprimer le champ, on va dire que c'est un champ de type hidden. Et donc voilà, on va supprimer ça et on va lui donner sa valeur. Donc value égale. On va remettre la valeur qu'on affiche ici. Voilà, on va mettre ça. On va sauver ça. Voilà, et on va déjà aller voir ce que ça nous donne. On a fait pas mal de choses. Alors, ici le label. Ah oui, le label, on n'en a pas besoin, parce qu'il n'y a plus de champ de données associé. On va quand même le supprimer. Voilà, je fais un peu de ménage. Je sauvegarde. Voilà, on va aller voir ce que ça nous donne quand on affiche pour l'Égypte. Voilà, quand on fait modifier, donc ça nous marque code EGI, EGY, et là, voilà. Alors là, ce qu'on voudrait, c'est avoir les informations nom, capital, voilà, on voudrait, parce que sinon, il faut tout ressaisir à chaque fois, hein. Par exemple, si je veux modifier la population de l'Afghanistan, je fais modifier, bah là, il faut que je retape toutes les infos. Donc ça, c'est un peu embêtant, donc il va falloir qu'on se débrouille ce que ça donne. Donc on veut récupérer toutes les informations concernant les pays, le pays, hein, Égypte, toutes ces infos là, il faut qu'on aille les récupérer en base de données, hein, et qu'on les affiche dans notre formulaire. Donc on va aller récupérer ça. On va reprendre le bout de code qui permet de faire ça. Donc voilà, on va regarder ce que ça donne. Alors, donc en tête de script, on rajoute ça. Voilà. Donc le code, on l'a ici, il était là, donc c'est pas la peine de le refaire. Alors, que fait ce code? On a une requête préparée, ici, select étoile from pays, where code égale code. Donc là, on va récupérer les informations uniquement d'un pays. Ces informations-là, donc ici, ce code SQL, donc on va ensuite se connecter à la base de données, préparer cette requête. Dans cette requête préparée, il va falloir lier le code à la requête. On va exécuter cette requête. Et suite à ça, on va placer dans une variable qu'on appelle un pays. On va pas faire un fetch all, parce qu'il y a juste des informations concernant un seul pays. On va faire un fetch, donc on va récupérer les informations uniquement du pays. Alors pour être au clair par rapport à ce qu'on fait, je vais faire un petit copier-coller. Et là, dans client, voilà. Et donc, ce qu'on fait, c'est ça, c'est EGY. Donc là, voilà, on n'obtient qu'une seule ligne. Donc, on n'a pas besoin de faire un fetch all pour récupérer toutes les réponses. On sait qu'on n'en a qu'une. Donc, on fait simplement un fetch. Et dans un pays, dans notre variable $1pays, on va avoir ces 5 informations. Donc voilà, donc là on a nos informations. S'il y a un souci, on récupère ça dans le catch. Et donc, alors, on va aller... Alors, les infos qu'on doit afficher, voilà, je retourne ici, par exemple, dans index, on a quelque chose qui ressemble. Voilà, c'est ces infos-là, il faut qu'on les affiche. Alors, où on doit les afficher? Alors, on a, dans notre formulaire, on a le code, c'est déjà traité. Après, on a donc le nom. Alors là, je vais faire un copier-coller ici, voilà. Alors, le nom, donc on va rajouter partout, le value égale, alors le nom, quelle est sa valeur? Bah, c'est la valeur qu'on avait en base de données, hein. Donc je le mets là. Ensuite, la capitale, quelle est sa valeur? Donc value égale, on récupère ce qui concerne la capitale, et je le mets dans valeur. Ensuite, on doit faire pareil avec la population, value égale la population, donc je récupère l'affichage de la population, que je vais mettre ici, et ensuite, dernière chose, voilà, dans require, ici, on va mettre value égale, donc là, on parle de la superficie, donc ici, je récupère la superficie et je dis que c'est la valeur de mon champ. Voilà. Après, dans mon formulaire, j'avais ramené un peu de HTML qui ne me sert à rien. Je l'enlève. Je sauvegarde. Alors, on va vérifier si tout ça s'affiche bien. Donc là, admettons, je clique sur Angola, modifier. Donc j'ai bien, super, Angola, Luanda, population, superficie. Annuler. Et par exemple, si on va sur l'Égypte, on a bien Égypte. Voilà, un nom, une capitale, tac, tac. Donc là, on a bien toutes nos informations. Alors, on a ajouté, on va en profiter pour dire que c'est pas un ajout, mais c'est modifié. Hein, ça, c'est lié au copier-coller de tout à l'heure, j'ai oublié de faire la modif. Hein. J'actualise, voilà, modifié. Et donc maintenant, si je clique sur modifier, bah, ça va pas marcher parce que modifier pays résultat, c'est pas encore créé. Donc on va regarder ça. Donc on va créer ce fichier là. Donc voilà, donc on a un nouveau fichier, new file. Voilà, et on va commencer par dire est-ce que je reçois bien, donc dans modifier pays, c'est un formulaire qui est en poste. Voilà, donc on va commencer par regarder donc un verdum si on a bien $_post qui contient les informations désirées. Donc là, si je suis ici, que je fais modifier, j'ai bien un array de 5 valeurs avec le code, qui est le nom, la capitale, population et superficie. Donc cool, c'est dans super ça. Ok. Donc maintenant, il va falloir que je m'occupe du contenu de cette page. Alors, le contenu de cette page. Alors, je suis en train de réfléchir. On va le récupérer comme on a modifié tout à l'heure. Hein, la modification d'un pays, ça ressemble beaucoup à son ajout, sauf qu'il va falloir changer la requête SQL. Hein. Donc là, je copie tout ce qu'il y a dans... je suis ici, CTRL A, copie, voilà, je copie tout le contenu de ajouter pays résultat et je vais le mettre dans le script modifié, voilà, je mets tout ici. Alors, on va, donc ça, il faut le réécrire, la requête SQL, on va réinjecter, donc tout ça, ça a l'air bon, donc il faut qu'on retrouve la requête ici qui va pas être un insert into, mais un update. Ici, on va mettre réussite de la modification de... Là, on met le nom, on va plutôt mettre le code, parce que le nom, on peut le changer, hein, du pays de code, Bloom. Voilà, on a ça. Ensuite, ajouter un pays résultat, modifier un pays résultat, le modifier résultat de, je vais faire un copier-coller pour rien, de la modification. Voilà, et là, ça nous met le message. Donc le message, ce sera réussi de la modification. Donc là, il nous reste à récupérer la bonne requête SQL. On va sauvegarder ça. Alors, la requête SQL. Ici, on a un exemple de requête. Donc, voilà, admettons, si on veut faire un update de l'Égypte, on va écrire ça comme ça. Update pays 7, le nom, on va mettre l'Égypte, le Caire, la population, la superficie. Et là, on fait ça. Donc là, on a une colonne qui correspond et elle est changée. Si on va ici, qu'on actualise, on a bien l'Égypte avec les bons résultats. Donc nous, voilà, ce qu'on veut, c'est que par exemple, si on met Égypte avec DX, Caire avec DX, et puis là on met 0, et là on met 0, on veut que quand on modifie, ça aille en base de données. Alors, il faut qu'on récupère notre update. Donc voilà, que j'avais copié-collé ici, donc je le copie, et je vais dans, ici, il faut que je remplace cette requête-là, donc je mets la requête, donc update pays 7 nom égale, alors le nom, nous, on va dire que c'est le nom, la capitale, on va dire que c'est 2 points, capitale, hein. On suit la même règle de nommage qu'on avait utilisée dans l'ajout, c'est pas la peine de... Voilà, la population, 2 points, population. Voilà, la superficie, toc de point superficie. Voilà, ça, allez, hop, on y va, on met tout ça sur la même ligne. Voilà, et après on a notre where, et donc dans notre where, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Alors là, il faut faire attention, donc on a le double guillemet qui va se fermer ici, et à l'intérieur, on va dire, le point code. Donc là, on a notre requête avec 5 valeurs alliées, hein, donc on fait les binds ici, hein, on lit les 5 valeurs, donc on a notre requête SQL, connexion à la base de données, préparation de la requête, on lit les 5 valeurs, on exécute. Déconnexion avec le nul. Donc si ça se passe bien, il y a exécution de ce code-là, et puis sinon, on va ici. On fait un CTRL S, et donc là, on va regarder ce qui se passe. Alors, ici, si je fais modifier, réussite de la modification du pays de code EGY, donc ça se présente vraiment bien. On va à l'accueil, et là, voilà, on voit bien qu'il y a les valeurs qui ont été ajoutées. Le 0 en plus et les X, donc je vais enlever ça hein, pour dire voilà. Voilà, on enlève le care, on enlève le 0, on fait modifier. Donc là, ça marche bien. Alors là, il nous reste à voir quand même une petite chose, c'est et si on se trompe, voilà, s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe quand on va ici au niveau du feedback? Parce que vous voyez ici, il n'y a rien, le feedback il est ici, donc on va, voilà, je vais mettre un X, admettons, je me trompe en tapant ma requête. Et donc qu'est-ce qui se passe si je fais modifier l'Egypte, modifier, donc là, voilà, j'ai bien mon message d'erreur, voilà, il y a un problème de syntaxe dans ce coin-là, donc on va revenir ici, donc là le code a priori fonctionne très bien, si on actualise, on a bien la modification. Alors, avant d'aller plus loin, une ultime vérification, parce que là, on a travaillé que sur un pays, hein, donc ça vaut peut-être le coup. Par exemple, le Canada, si on le met un X à la fin, ça marche bien. Et on va revenir en arrière pour avoir des données propres modifiées. Voilà, super. Donc, en résumé, donc notre objectif, il est atteint. Hein, on a maintenant la possibilité de faire un update, une mise à jour des données qui sont dans notre site. Donc en plus de l'ajout, de la suppression et de l'affichage de la liste des pays. Alors évidemment, on a encore fait de la duplication de code hein, avec quelques petites modifications. Donc ça, c'est un vrai point d'amélioration de notre site web, mais c'est une autre histoire. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.